Montpellier 3, on est arrivé à ce sujet, au travail qu'on va vous présenter, par le biais de l'enseignement à distance qu'on développe depuis longtemps à l'université, et par aussi l'IDEFI, l'initiative d'excellence en formation innovante qu'on a remportée il y a 2 ans maintenant, et qui était sur le thème essentiellement de la première marche que représente la première année universitaire et la difficulté à devenir et être un étudiant. Donc vous voyez que petit à petit on se rapproche de ce sujet-là sur un plan particulier. C'était autour de 3D, la détermination, comment quand on est encore au lycée ou dans toute autre situation, on arrive à rentrer dans l'enseignement universitaire. Ensuite, la diversité, comment nous arrivons à nous adapter à un type de public différent. Et c'est là qu'on a l'action 13 sur les étudiants empêchés. Et ensuite aussi, la différence, comment on arrive par des procédés, des rythmes, des techniques différentes à répondre à toutes ces demandes. Voilà pour ça que le projet s'appelait UM3D et qu'il portait justement sur cette façon de devenir et d'être un étudiant. Vous voyez que ça rejoint tout à fait, à partir de quelque chose de focus beaucoup plus spécial, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, et que ça répondait pour nous à ce qui est important dans l'université, non seulement notre nécessité de formation, mais aussi, je pense, à une vision humaniste de ce que peuvent être les études. Voilà, on est une université de lettres et sciences humaines, et on se glorifie d'avoir cette démarche qui est à la fois de culture et d'humanisme dans notre université. Voilà. Donc je laisse la parole à celles qui ont mené tout ce projet pour centraliser un petit peu, justement, ce qu'on faisait de façon un peu éparse, mais avec l'idée qu'il faut donner plus de rigueur, de technique et de simplification pour arriver à centraliser toutes nos forces en université. Merci Madame la Présidente. Oui, alors vous allez les retrouver 2 fois à travers cet après-midi, puisqu'on a déjà une problématique plutôt administrative, un guide administratif, et puis on a encore en devenir une problématique plus pédagogique, vous l'avez compris, qu'on vous présentera via un retour d'expérience et d'innovation pédagogique. L'objectif de cette présentation est de vous parler du guide de la scolarité, donc nous avons coécrit en collaboration avec donc, les personnes du groupe étudiants empêchés, de la FIED, en particulier Dominique Poincelot et Alain Boivin. Le guide vous a donc été distribué à l'entrée. Nous allons en parcourir les chapitres. Et ce que nous souhaitons, puisque c'est un atelier, nous aimerions que, si vous avez des questions, que vous interveniez au fur et à mesure, pendant la présentation, pour que des échanges puissent naître. L'objectif de cet atelier est bien évidemment de vous présenter le dispositif mis en œuvre à l'Université Paul Valéry et de recueillir vos réactions par rapport à ce à quoi nous avons pensé. Je laisse la parole à Madame Avé. Donc, l'idée du guide, je crois que Madame la Présidente vous l'a présenté, c'est dans le cadre d'IDEFI. Mais aussi, c'est par rapport à une anecdote personnelle qui m'est arrivée. Il y en a pour 2 minutes, mais c'est pour vous donner un peu le cadre. Donc, j'ai été responsable du service de l'enseignement à distance à l'université. C'était ma première année en tant que responsable de service. Et donc, j'ai dû inscrire un étudiant détenu. Et là, grand blanc. Je ne savais pas comment faire, je ne savais pas quelle était la procédure, comment ça allait se passer. Bon, nous avons réfléchi avec mes collaborateurs, nous avons regardé avec les enseignants et donc les usages numériques ce que nous pouvions apporter. Et donc nous avons fait l'inscription et le suivi comme nous avons pu de cet étudiant. Et puis à l'Université Paul Valéry, nous mettons en place chaque année ce que nous appelons la journée portes ouvertes, qui est au service commun d'information et d'orientation. Et donc là, le service de l'EAD était représenté. Et donc, en tant que responsable, j'étais dans ce service. Et tout d'un coup, il y a un monsieur d'un certain âge qui arrive et qui me dit « Bonjour, je voudrais rencontrer Madame Avé. » Alors, je dis « Oui, c'est moi. » Je dis « Ben voilà, je voudrais vous remercier. Je suis tel étudiant. » Donc, en fait, c'était un étudiant détenu que j'avais inscrit.
Et il était venu me remercier tout simplement parce que je lui avais envoyé sa carte d'étudiant. Parce que j'avais considéré pour moi que c'était un étudiant avant toute chose. Et je n'avais pas regardé l'autre côté. Et à partir de là, il m'a dit, ben, grâce à vous, je me suis accrochée. J'ai voulu travailler. J'ai passé mes épreuves. Et maintenant que je suis libérée, je viens vous le dire, je ne vous quitte pas en enseignement à distance parce que je n'aime pas le AD, mais j'ai besoin d'avoir de nouveau du social. Et donc, je viens chez vous et me réinscrire en présentiel. Mais je tenais à vous remercier. Et vous voyez, j'en parle et j'en ai encore des frissons parce que c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Et je crois que là, le déclic a été là dans ma tête de dire, eh ben, je crois qu'il faut faire quelque chose pour ce public. On est un service d'enseignement à distance, on est là pour des publics bien précis, des gens qui travaillent, des gens qui sont éloignés géographiquement, des étudiants aussi qui sont non connectés. Et à partir de là, ben, la réflexion a été menée. Et donc, nous avons élaboré ce guide que l'on va vous présenter. Voilà, c'était la petite anecdote. Donc la première chose qui était importante dans notre expérimentation et qu'on s'est rendu compte, c'est les personnes référentes. Pour nous, à Paul Valéry, on s'est rendu compte que cela peut fonctionner s'il y a une démarche collaborative entre deux personnes. Quelles sont ces deux personnes? Eh bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure ce matin, quand vous en avez parlé longuement, c'est le responsable local d'enseignement, donc c'est le petit monsieur que nous avons mis, que vous allez suivre tout au long du parcours, de la présentation. Et ce que nous avons appelé le référent établissement, avec donc cette dénomination, elle a été faite avec Dominique et Alain lors du groupe de travail étudiants empêchés. Et ce référent établissement, comme vous voyez, il est essentiel parce que c'est lui qui va permettre de donner les clés et toutes les informations que le RLE va pouvoir avoir besoin pour prendre, si je peux me permettre, sa casquette de rôle administratif. Parce qu'on est bien d'accord que c'est le RLE qui est l'interlocuteur, ce n'est en aucune façon l'étudiant. Donc cet RLE, ben, il faut lui donner toutes les clés pour qu'il puisse travailler. Des clés dans la question administrative, des clés sur les questions pédagogiques et sur le suivi, et enfin sur la fin, sur les examens et bien sûr la finalité. Donc pour moi, c'est les deux personnes essentielles qui doivent être en démarche collaborative pour que ça puisse fonctionner. Dans le guide, vous avez un petit schéma en page centrale. Alors ce schéma, c'est un récapitulatif de toutes les étapes que l'on a de la candidature jusqu'au résultat. Donc on va essayer de les passer slide après slide. Je vais essayer d'aller doucement pour que vous puissiez poser des questions si vous en avez besoin. Oui. Alors, la candidature. Donc la candidature, elle concerne les premières demandes de la licence première année au Master 2, ainsi que les changements de réorientation. On est dans un guide national, donc chaque université a sa propre méthode de candidature et ses procédures. Donc c'est vrai qu'il est très difficile sur un guide de dire telle université a telle procédure ou notre. Donc c'est vrai que là, le référent établissement sur lequel le RLE serait intéressé par rapport à la demande de l'étudiant pourrait justement expliquer quelle est la forme de candidature, quelle est la procédure de candidature, pardon, qu'il serait souhaitable à l'université. Donc, il y a la recherche d'informations. Donc là, elle est, en fait, la demande, elle peut être faite entre le RLE et le référent. Nous avons ensuite un examen de dossier, parce que toute demande de candidature passe par une commission pédagogique de la discipline que l'étudiant souhaite. Donc, cette commission pédagogique étudie le dossier et émet un avis, qu'il soit favorable ou défavorable. Il appartient au référent établissement de l'intégrer et de le transmettre auprès du RLE. Comme ça, le RLE, de suite, sait que son référent pourra lui donner la réponse pour le transmettre à l'étudiant. Alors, on a mis en italique admission post-bac. Pourquoi? Parce que admission post-bac, c'est un logiciel d'application nationale, comme je vous l'ai expliqué dans le guide, et qui, à la date d'aujourd'hui, n'a pas prévu l'enseignement à distance. Pourquoi? Parce que l'enseignement à distance, à la date d'aujourd'hui, c'est une modalité pédagogique. Nous délivrons des diplômes où dessus, il n'est pas précisé comme quoi l'étudiant a fait son cursus en enseignement à distance. Donc, l'admission post-bac ne génère pas l'EAD. Donc là, par exemple, pour vous donner un exemple, moi, à l'université Paul Valéry, nous faisons passer nos demandes de néo-bachelier par le logiciel de candidature que nous avons adopté.
Voilà, donc à la date d'aujourd'hui, APB n'est pas ouvert pour l'EAD. Donc il va falloir vraiment regarder pour les logiciels. Alors, j'ai voulu vous mettre un récapitulatif des pièces obligatoires que le RLE devra avoir en sa possession. Donc c'est pour ça qu'il y a le petit monsieur, pour pouvoir déposer le dossier de candidature. Sans ces pièces-là, le dossier ne pourra pas être visé par la commission pédagogique. Donc, je ne vais pas vous les lire, hein. Vous voyez les pièces qui sont demandées. Donc, c'est vrai qu'il y a des pièces, vous allez me dire, qui sont très difficiles à avoir. Donc, après, à partir de là, on peut avoir des échanges avec le référent établissement qui peut toujours essayer de se coordonner avec la commission pédagogique pour voir si c'est une pièce essentielle dans la demande du dossier. Maintenant, c'est vrai que les traductions de diplômes pour les étudiants de nationalité étrangère ou la lettre de motivation, le curriculum vitae et les copies de tous les résultats, c'est essentiel puisque nous sommes sur du pédagogique. On arrive à l'inscription administrative. Donc l'inscription administrative, je ne vais pas vous le rappeler, hein, c'est une démarche obligatoire pour obtenir le statut étudiant. Donc là, c'est toujours pareil. Chaque université a sa propre procédure pour son dossier d'inscription. Il peut être en ligne, il peut être par papier, il peut être envoyé. Donc notre RLE devra remplir ce dossier d'inscription, soit le transmettre par courrier. Et ça, bien entendu, il peut le voir avec, de nouveau, son référent établissement. Donc, vous voyez comme quoi les liens référent établissement RLE sont en fait essentiels. Le certificat de scolarité plus la carte de l'étudiant, ça rentre dans une dimension, je vais dire, sociale et humaine, comme je vous ai expliqué tout à l'heure dans ma petite anecdote. L'étudiant l'attend avec impatience, en fait. Moi, à l'université Paul Valéry, quand ils ont envoyé leur dossier d'inscription, une semaine après, j'ai le RLE qui m'envoie un mail, généralement, il me dit « C'en est où la carte de l'étudiant et le certificat de scolarité ?» Vous allez me dire « Mais ils n'en ont pas besoin. » Mais ça leur donne cette dimension du fait « Ben voilà, j'ai le statut étudiant, je suis inscrit dans une université. » Donc ça, c'est le travail du référent établissement pour pouvoir le transmettre. Et là, je vais laisser un petit mot à Patricia pour l'environnement numérique. Toute inscription administrative ouvre droit à tout étudiant d'avoir un compte de messagerie et un compte qui lui permette d'accéder aux services numériques de l'université. Le cas est un peu particulier puisque nous avons considéré que le RLE était garant de l'activation de ce compte, puisque ce compte va permettre au RLE, en l'occurrence, de prendre connaissance, télécharger le certificat de scolarité de l'étudiant, le cas échéant, consulter les résultats. Alors après, la dimension, dire que le RLE est garant de l'activation du compte, tout ceci dépend bien évidemment de l'accès, la possibilité d'accès à Internet dans le contexte de l'établissement. Pour essayer de simplifier justement les procédures administratives et des pièces qui sont lourdes quand on veut s'inscrire à l'université, puisque je rappelle que tout étudiant doit faire son dossier de candidature, une fois que son dossier de candidature a été fait, qu'il a été accepté, il doit procéder à son dossier d'inscription. Et en fait, on se rend compte bien souvent qu'entre les pièces demandées à la candidature et les pièces demandées à l'inscription, bien souvent il y a des répétitions. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait ? On a décidé que les pièces du dossier de candidature ont été déjà données une première fois, donc il appartient au référent de l'établissement de les recentrer avec le dossier d'inscription sur les pièces qu'on rajoute pour l'inscription qui sont obligatoires, selon la réglementation. Et donc, le RLE, finalement, il ne se retrouve qu'avec la deuxième partie du tableau, qui est le dossier de l'inscription administrative, c'est-à-dire qu'il doit compléter, quelque part, le premier dossier et l'ensemble des pièces fait un dossier complet par la candidature et par l'inscription administrative. Il se retrouve à ne pas donner deux fois les mêmes pièces. J'ai une question, donc je disais peut-être anecdotique, mais par exemple des photos d'identité, comment font les détenus pour vous transmettre des photos d'identité? Peut-être qu'il y a des difficultés aussi à produire d'autres documents. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des dossiers incomplets de ce fait? Alors... Si
je vais répondre en tant que RLE, confronté à ce type de problème. Alors, normalement, chaque détenu a la possibilité de faire une cantine de photos d'identité à l'intérieur de la prison. Alors, ces photos ne peuvent pas lui être remises, parce qu'il a interdiction d'avoir des documents de photos d'identité sur lui. Donc, il faut que le RLE ensuite les récupère, alors soit directement en faisant jouer le CEPIP, hein, le conseiller d'insertion du détenu, ou soit une personne, le chef de détention, qui peut. Et ensuite, généralement, les six autres photos, parce que c'est par paquet de 8 qu'elles sont faites, les six autres photos sont remises à la fouille de la personne détenue. Moi, ce que je peux dire, en tant que référente d'établissement à Paul-Valéry, depuis 5 ans que nous inscrivons des étudiants incarcérés, nous avons toujours eu la photo pour pouvoir lui permettre de lui transmettre sa carte d'étudiant. C'est vrai que je n'ai pas été confrontée au problème de dire, tiens, j'ai un dossier sans photo. Donc on a été confrontés au problème des photos à l'université de Marne-la-Vallée, hein, effectivement, particulièrement parce que la convention nous oblige à remettre la carte d'étudiant aux détenus. Donc ça a été vraiment la croix et la bannière. On a eu les photos au compte-goutte, très tard, ça a été très compliqué, les détenus ont beaucoup râlé. J'ai pas eu ce problème. Donc on ne les demande pas. On a fabriqué des dossiers d'inscription spécifiques, en fait. D'accord. Et donc, on ne la demande jamais pour les étudiants qui s'inscrivent au DAEU. La carte d'identité, la carte d'étudiant, on ne leur donnera que quand ils sont sortis, s'ils nous la réclament. Mais très franchement, ça a vraiment été très, très compliqué d'obtenir les photos l'année dernière. Ouais. Alors, nous, sur l'université, nous avons fait le choix de garder les mêmes documents que pour n'importe quel autre étudiant. Nous n'avons pas voulu marquer dessus étudiant incarcéré ou étudiant détenu. C'est vraiment le même dossier qui est transmis au RLE, que ce soit au niveau de la candidature ou au niveau du dossier d'inscription. C'est vrai qu'un jour, le seul problème qu'on a eu une fois, ça a été pour récupérer la journée d'appel à la défense. L'acte de naissance, ou non, la carte d'assurance maladie, pardon, le numéro de sécurité sociale. Donc là, c'est vrai qu'une année, on a eu ce problème-là. Finalement, ce qu'on a fait, c'est que dans Apogée, puisque nous sommes sur le logiciel Apogée pour les inscriptions, nous avons pu lui mettre un numéro de sécurité sociale provisoire. Et le RLE a pu faire une demande auprès de la CPAM, la caisse primaire d'assurance maladie, de là où est né le détenu, pour pouvoir faire une demande pour récupérer son numéro de sécurité sociale. Et nous avons pu après récupérer le document. On a trouvé cette solution. Mais c'est vrai qu'au niveau de la photo et au niveau des documents, on est resté sur les mêmes choses, on n'a pas changé. Donc, l'inscription pédagogique. Donc, l'inscription pédagogique, c'est donc la démarche qui est obligatoire et bien sûr annuelle pour faire une inscription aux cours et aux examens. Donc, cette inscription, elle est importante. Pourquoi ? Parce que c'est le contrat, quelque part, qui lie l'étudiant avec l'université pour pouvoir passer ses épreuves. Donc, et il est également important, ce contrat pédagogique, car il va permettre au service qui est en charge des ressources numériques de pouvoir savoir sur quel écu il doit adapter la ressource pour pouvoir lui adresser les cours. Donc le contrat pédagogique de l'étudiant est récupéré par le référent établissement et il est transmis au responsable local d'enseignement qui le transmet donc à l'étudiant. On lui transmet également le calendrier universitaire. Le calendrier universitaire est important pour le RLE. Pourquoi ? Parce que sur le calendrier universitaire, généralement, il y a les périodes des examens. Donc ça permet au responsable local d'enseignement de prévoir un planning, de savoir que telle période, il y aura des examens pour cet étudiant détenu et pouvoir en fonction que s'il y a X ou Y impossibilité dans ces périodes-là, de pouvoir nous prévenir assez tôt, nous, référents à l'établissement, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir l'aider. Car il faut savoir qu'il y a eu des situations où, par exemple, il y a 2 ans de ça, j'ai eu un étudiant détenu qui n'a pas pu passer ses épreuves écrites pendant la période des examens
de l'EAD qui ont été votées en conseil d'administration. Et donc, en accord avec la direction, nous avons demandé que les examens se fassent d'un report d'une semaine juste pour cet étudiant détenu. Donc, ça a permis à l'étudiant quand même détenu de pouvoir passer ses épreuves, mais il les a passées en décalé. Et comme il n'y a pas un problème de sortie de sujet ou de... Du coup, on a trouvé cette solution. Donc, c'est pour ça qu'il est important en amont d'envoyer ce calendrier universitaire. Ça permet au RLE de mettre en place quelque part son année avec son étudiant. Ensuite, nous avons instauré un questionnaire d'usage numérique. Et là, je vais laisser Patricia en parler, car ça fait partie des usages. Donc, ce questionnaire usage numérique, les années précédentes, nous ne l'avions pas. Et nous nous sommes dit cette année, comme nous nous sommes rendus compte que dans chaque établissement donc pénitentiaire, les conditions d'apprentissage sont différentes. Nous avons donc eu l'idée d'élaborer ce questionnaire qui est envoyé au RLE dès que l'inscription pédagogique est réalisée. Ce questionnaire a pour objectif de prendre connaissance des conditions d'apprentissage, conditions matérielles, mais également temps alloué à l'apprentissage de l'étudiant. Vous avez donc ce questionnaire figurant en annexe du guide de la scolarité, des questions sur les supports qui sont acceptés dans l'établissement, puisque certains établissements ne vont accepter que les supports papier ou des documents PDF téléchargeables, d'autres vont accepter des CD-ROM, des clés USB, non, et autres, ben par autres, la case autres, vous parliez ce matin de liseuses. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de faire figurer les supports, les ressources pédagogiques sur des liseuses, voire, pourquoi pas, sur une tablette ? Autre question, l'étudiant a-t-il accès à une salle multimédia ? Combien d'heures par semaine ? A-t-il cantiné ? Dispose-t-il d'un ordinateur en cellule ? L'objectif qu'il y a derrière ces questions est de savoir, au-delà des supports, des ressources pédagogiques linéaires, de savoir si, par exemple, dans le cadre d'un enseignement en langue, s'il peut prendre connaissance de fichiers audio, s'il peut prendre connaissance de vidéos, s'il peut réaliser, dans le cadre de l'auto-évaluation, des QCM, que je ne qualifierai pas d'interactifs, mais qui lui permettent d'obtenir immédiatement un feedback, un retour sur les réponses qu'il a apportées. Vous allez me dire que nous sommes allés assez loin sur la seconde page, puisque la seconde page envisage en fait les interactions. Les interactions, soutien méthodologique, dispose-t-il l'étudiant, dispose-t-il d'un soutien méthodologique en établissement carcéral ? Oui, non. Le RLE peut-il transmettre aux enseignants les questions de l'étudiant ? Par téléphone ? Par mail ? Par l'intermédiaire de la plateforme pédagogique, nous en parlerons après, mais nous avons expérimenté donc avec un RLE une solution sur la plateforme pédagogique. Les devoirs, dans le cadre du contrôle continu, certains enseignants, ou du moins dans le cadre de l'auto-évaluation, certains enseignants demandent aux étudiants de produire des documents. Le RLE a-t-il la possibilité de l'envoyer aux enseignants pour correction ? Et nous sommes allés beaucoup plus loin. Y aurait-il la possibilité d'organiser en établissement pénitentiaire une visioconférence si l'établissement dispose du matériel dédié ? Nous imaginions regrouper, si nous avions plusieurs étudiants inscrits à un même parcours, pouvoir regrouper ces étudiants dans une salle et ainsi, pourquoi pas, construire... non pas sur le modèle de Marne-la-Vallée, un dispositif de classe inversée, mais pouvoir permettre aux étudiants de poser directement les questions à l'enseignant. Modalité d'évaluation, mais également information complémentaire sur la motivation de l'étudiant concernant cette reprise d'études. Alors, les responsables locaux d'enseignement cette année donc, ont joué le jeu et nous ont retourné les questionnaires usage numérique. Et cela nous a beaucoup aidé, nous le verrons après, notamment dans la préparation des ressources pédagogiques. Oui, c'est anecdotique, mais à propos des examens, l'expérience qu'on a eue à l'UPMC, c'était des difficultés avec l'emploi du temps. C'est-à-dire qu'il y avait les repas.
Et il fallait qu'au moment des repas, l'étudiant soit libre. Or, le repas était à 6 heures ou quelque chose comme ça, le soir. Et ça bloquait pour les examens. Alors, je réponds. Nous, ce qu'on a décidé à l'université Paul Valéry, c'est que nous, quand j'élabore le calendrier des examens, sur l'université, nous sommes dans le principe de la seconde évaluation, c'est-à-dire première évaluation, seconde évaluation. Dans la première évaluation, il y a le premier et le second semestre. Et en fonction de... Et s'ils souhaitent, ils peuvent passer la seconde évaluation, même s'ils ont atteint la moyenne. Bon, ça, c'est une chose. Donc, quand j'élabore le calendrier des examens, les examens commencent à 8 heures, ils peuvent aller jusqu'à 21 heures. Il y a une demi-heure de pause entre chaque épreuve, et nous essayons généralement de garder une heure de pause sur la pause méridienne déjeuner qui se situe entre 11h30 et 13h30. On va essayer, voilà. Ce que je fais, c'est que lorsque j'ai élaboré le calendrier des examens, je fais une convocation manuelle en fonction des durées et des horaires qui va se passer à Paul Valéry pour les épreuves écrites. Ce calendrier individuel, si vous voulez, je l'envoie au RLE par rapport à son étudiant, puisque je lui ai fait sa convocation. Et à partir de là, je lui dis, voilà, les examens à Paul Valéry, comme vous avez vu dans le calendrier universitaire que je vous ai adressé, ils démarrent de telle date à telle date. Si vous pouvez les faire pendant les jours, horaires et créneaux que je vous propose dans le calendrier, super. Si vous ne pouvez pas, je vous laisse une adaptabilité dans la semaine pour pouvoir faire les épreuves. Et généralement, dans 90% des cas depuis 4 ans, ils font une adaptabilité. Par contre, c'est vrai que au lieu de faire les épreuves sur la semaine dite, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a généralement 2-3 jours supplémentaires qui se rajoutent par rapport aux dates fixées que l'on a fixées sur l'université Paul Valéry. Voilà. Alors nous, au CNAM, se pose le problème du sujet unique pour la France, la métropole, l'étranger, etc. Oui. Donc la date reste impérative. Quant aux horaires par rapport effectivement aux horaires de repas, ouais. Par exemple une épreuve chez nous qui commence de 10h à 13h, j'accepte évidemment pour le jeudi de la décaler. Voilà. Avant et après. Voilà. Ça ne pose pas de problème. Alors, parce qu'il n'y a ouais. pas de problème de fuite. Ben non. Tout à l'heure, je vous parle... Bon, alors nous sommes un peu plus larges, on peut changer, voilà. Par contre, je vous parlerai tout à l'heure des modalités de contrôle de connaissances particulières, et je vous parlerai justement de l'organisation des épreuves qu'on met en place avec le responsable local d'enseignement. Comme ça, vous verrez. Après, tout ce que je vous présente là, enfin, tout ce que je vous propose, c'est suite à notre expérimentation à l'université Paul Valéry. Bon, nous, on a des côtés positifs parce qu'on sait que cela fonctionne et que ça marche, parce qu'il y a cette démarche collaborative entre deux personnes, entre deux personnels. Maintenant, ça peut être perfectible, ça peut être ouvert, ça peut être à revoir, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, voilà, cette procédure, je peux vous dire qu'on l'a expérimentée à Paul Valéry, on l'a fait fonctionner maintenant depuis bientôt presque 4 ans, et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de soucis majeurs. Voilà. Concernant les ressources pédagogiques, alors je ne vais pas aller très loin, puisque nous allons animer avec Laurence un second atelier spécifique à cette partie-là, mais du moins, ce que l'on peut dire, c'est qu'il faut prendre en compte, effectivement, le contrat pédagogique. Nous prenons en compte également les résultats du questionnaire usage numérique, et nous essayons, dans la mesure du possible, d'adapter les ressources aux conditions d'apprentissage de l'étudiant, on l'a dit, hein, matériel, ordinateur, par ordinateur, temps d'apprentissage, aux supports acceptés également en centre pénitentiaire. Alors, les supports, ben, par exemple, on a envisagé, nous avons comme plateforme pédagogique à l'UPV, Moodle. Si certains d'entre vous connaissent l'outil, voilà, nous avons Moodle. Et nous nous sommes dit, tiens, il serait sympathique d'utiliser la version mobile de Moodle de manière à ce que l'étudiant puisse se retrouver dans un environnement d'apprentissage identique à celui qu'ont les étudiants en EAD connectés à Internet. Et, problème, Moodle en version mobile fonctionne très bien sur une clé USB,
mais ne peut pas fonctionner sur un CD-ROM. Tout simplement parce que lorsque l'étudiant lance l'application, elle génère des fichiers temporaires. Et sur un CD-ROM, voilà. Donc, on a abandonné cette solution. C'est pour ça qu'on interroge sur la possibilité de pouvoir entrer les supports sur une clé USB. De cette manière-là, on pourrait intégrer à la clé USB un environnement d'apprentissage. Mais voilà. La transmission des ressources, eh bien, c'est toujours le référent établissement. Donc, nous sommes service des usages numériques. Nous travaillons, nous accompagnons les enseignants donc, à l'adaptation des ressources. Nous les transférons au référent établissement, qui lui-même se charge de les transmettre au RLE. Alors, une interrogation vers un espace numérique dédié au RLE. Alors, une intervention dans une des interventions de ce matin, monsieur disait qu'effectivement, le RLE n'avait plus accès à Internet à partir de son poste et que cela reposait sur, son investissement bénévole à télécharger les ressources à partir de son domicile. Alors, avec un des établissements pénitentiaires, nous avons expérimenté l'ouverture d'un espace numérique sur la plateforme pédagogique connectée à Internet, dans lequel les ressources adaptées ont été déposées. Et ainsi, le responsable local d'enseignement a pu télécharger, au fur et à mesure de l'apprentissage de l'avancée de l'étudiant, les ressources correspondantes. Là, cela a fonctionné. Mais nous n'avons fait qu'une seule expérimentation en la matière. Il a également pu interagir sur la plateforme, poser des questions sur le forum, voilà. Et disons que par rapport à l'envoi d'un CD-ROM, l'avantage est que si l'enseignant, par exemple, actualise son cours, dépose une nouvelle ressource, nous la mettons immédiatement en ligne dans l'espace réservé au RLE, nous lui envoyons un avertissement lui disant, une nouvelle ressource a été déposée, une ressource complémentaire, parce que... Et là, il y a un effet beaucoup plus dynamique. Alors que sinon, cela impliquerait la création d'un nouveau CD-ROM, l'envoi de ce CD-ROM, qui est une démarche un peu plus complexe. Des questions ? Bonjour, Alexandre Loriot, Université de Rouen. J'avais une question par rapport à la création d'un espace unique pour les LRE. Nous, dans le cadre de l'Université de Rouen, on inscrit directement les RLE dans l'espace de cours avec les étudiants qui suivent le cursus en enseignement à distance. Pourquoi avoir choisi de créer un espace de cours à part ? Parce que nous avons adapté les ressources. D'accord. Disons que... Après, bon, je ne ferai pas de discours de langue de bois en disant que... chaque enseignant prend possession de son espace de cours, décide ou pas d'y faire figurer, par exemple, les objectifs, le temps moyen d'apprentissage. Ce sont des informations qui ne figurent pas nécessairement dans tous les espaces de cours, alors que là, nous veillons à une présentation peut-être un peu plus académique, soit, tout en vous verrez, on en parlera dans le second atelier. Donc voilà. Cet espace numérique nous permet également d'interagir avec le RLE en l'absence d'étudiants. D'accord. Voilà. Il y a une circulaire qui a été signée par un directeur de l'administration pénitentiaire en 2010, donc ça remonte quand même à il y a 5 ans maintenant, qui autorise l'utilisation de clés USB par les enseignants en détention. Ce sont les seuls acteurs dans... lieux pénitentiaires en détention qui ont cette possibilité. En revanche, ce que vous décrivez là me semble assez complexe en définitive parce que là on rentre, il faudrait vraiment qu'on garde ça d'assez près parce qu'il me semble que ça va poser quand même un problème plus que technique en fait. Vous voulez dire un problème de sécurité ? Un problème de sécurité, en fait, et surtout de sécurité informatique aussi, parce que bon, faut pas, on n'a pas eu le temps de l'aborder ce matin, mais la question de la sécurité informatique à l'intérieur des établissements pénitentiaires, ce ne sont pas que des questions de sécurité pris au sens d'empêcher un détenu de communiquer avec un autre, etc. Il y a aussi des questions qui sont des questions de sécurité informatique du réseau. De la pénitentiaire qui, comme tous les réseaux institutionnels, sont des réseaux extrêmement sensibles,
dont on sait qu'il y a des règles de sécurité extrêmement rigoureuses qui sont imposées à toutes les administrations, en définitive. Hein, mais là, peut-être avec un niveau d'exigence de sécurité un peu supérieur. Mais encore, je ne suis pas un spécialiste de ça. Si je me trompe complètement, c'est peut-être des questions de sécurité que rencontrent toutes les institutions. En fait, nous nous étions posé cette question d'un point de vue purement pédagogique pour reconstituer l'environnement d'apprentissage. Bon, après, nous ne l'avons pas fait, évidemment. Oui, oui, non, tout à fait. Donc, comme nous avons dit ce matin, une des questions est aussi qui est importante, c'est le suivi pédagogique de l'étudiant. Et donc, c'est son accompagnement au travers de ces rythmes d'apprentissage. Donc, on a essayé de mettre en place, puisque les forums d'apprentissage, ils n'ont pas droit, les connexions Internet, ils n'ont pas droit, les mails, ce n'est pas possible, comme un étudiant EAD. Hein. Donc, on a essayé de mettre en place un outil. Alors, c'est vrai que c'est un outil papier. Et donc, cela permet de mettre en place une communication asynchrone. Et donc, nous avons créé ce qu'on appelle la fiche navette. Alors, la fiche navette, la voilà. Alors là, c'est à gauche, c'est notre petit étudiant détenu qui remplit écu par écu les questions plus ou moins pédagogiques, on va dire, qu'il a posées au niveau de son cursus, au niveau de son cours. Et sur la droite, donc lorsque le référent établissement reçoit la fiche navette, le transmet aux enseignants de la discipline pour pouvoir lui apporter une réponse. Et cette fiche navette est bien sûr retournée auprès de l'étudiant à travers le RLE. Donc c'est à l'heure actuelle la seule communication, on va dire, qu'on ait pu trouver entre l'étudiant et l'enseignant, par le biais de cette fiche navette. Alors, nous l'avons testée également. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des questions, notamment sur la gestion du temps de travail, qui est demandée au travers des écus. Il y a également des questions sur la méthodologie qui ressortent dans ces questions. Donc, en fait, nous sommes sur les mêmes, quelque part, on se rend compte que ce sont un peu les mêmes questions que peut avoir un étudiant en EAD, tout simple. Donc, cette fiche navette leur permet d'avoir quand même ce lien entre l'apprenant et l'enseignant. On l'envoie, nous, enfin, en ce qui concerne l'Université Paul Valéry, premier semestre et second semestre. Voilà, donc deux fois. Alors, les examens et les résultats. Alors, les examens, ils sont soumis à des modalités de contrôle des connaissances. Comme vous le savez, elles sont votées chaque année en conseil des études. Et les modalités de contrôle des connaissances, nous en avons, on a du contrôle continu, on a du contrôle terminal et on peut avoir des oraux. Donc, en prison, le contrôle continu, le contrôle terminal peut être envisagé. Les oraux, c'est plus compliqué. Donc, ce que l'on fait, c'est que moi, ce que je fais, c'est qu'en tant que responsable des examens, lorsque j'ai un étudiant qui est inscrit, un étudiant du milieu carcéral qui est inscrit, je prends les modalités de contrôle des connaissances qui ont été votées et je regarde si, en fonction, si ces modalités-là peuvent être appliquées dans le contexte carcéral. Imaginons, et ça j'ai déjà eu plusieurs fois le cas, que sur les modalités de contrôle des connaissances, j'ai des oraux ou un dossier à rendre plus une soutenance à l'oral. À partir de là, je vais voir l'enseignant responsable du cours, je vois avec lui quelles modalités on pourrait adapter dans le contexte carcéral. Donc bien souvent, l'oral est transformé ou sur un exposé ou sur une ou deux questions. Et donc, si vous voulez, on adapte la modalité de contrôle de connaissances. Donc, si nous avons plus de la moitié de la formation pour laquelle les modalités de contrôle des connaissances doivent être adaptées, je passe par une autorisation auprès de ma vice-présidente du Conseil des études pour savoir si je peux changer cette modalité. En principe, nous n'avons pas de problème. C'est vrai que c'est très rare quand nous avons passé au Conseil des études et de la vie universitaire un changement de modalité pour les étudiants en milieu carcéral. Car généralement, nous en EAD, je suppose, comme beaucoup d'universités, vous avez beaucoup de contrôles terminaux, donc de contrôles écrits sur table. Donc c'est vrai qu'à partir de là, nous n'avons pas beaucoup de changements à faire.
L'organisation des épreuves en milieu carcéral, eh ben, c'est important parce que nous, ce que je fais à l'université, comme je vous ai dit, j'envoie la convocation, j'envoie le calendrier des examens, mais j'envoie également les copies vierges, les sujets enfermés, pareil, cachetés dans les enveloppes avec le jour, l'heure, la durée, comme si je préparais pour un centre d'examen, hein, par exemple, le matériel d'examen, hein, les brouillons, les copies. Donc, nous transmettons tout ceci au RLE, qui est le RLE, lui, comme on a dit ce matin, ben, il est responsable des examens, donc lui, après, qui prend le fonctionnement, qui, au sein de l'univers carcéral, organise les examens de l'étudiant. Et à Paul Valéry, ce que nous faisons, c'est que nous mettons généralement, vous allez rire, un chronoposte. On met un chronoposte dans le matériel d'examen pour que les copies puissent nous revenir rapidement, pour que je puisse les transmettre auprès des enseignants, pour qu'ils puissent apporter une correction rapide, pour pouvoir transmettre les notes rapidement auprès de l'étudiant, en fait, pour savoir si, en ce qui nous concerne, l'Université Paul Valéry, il souhaite passer la seconde évaluation. Et enfin, ben, il y a le retour des ressources pédagogiques. Donc là, Patricia va nous en dire un petit mot. Ah, tu peux, tu veux. Bon. Donc, il a été demandé, certains enseignants à l'Université Paul Valéry ont demandé à ce que les ressources pédagogiques reviennent sur le site de l'université. Donc, nous avons très bien entendu leur demande. Et donc, on a travaillé avec notre direction d'administration juridique à l'université. Et nous avons fait tout simplement un document engageant le responsable local d'enseignement à nous retourner la ressource pédagogique, ben, le CD ou le DVD, à la fin des examens. Donc, tout ceci, bien sûr, c'est toujours une démarche collaborative, comme vous voyez, entre le référent et le RLE. Il n'y a pas d'autres, pour l'instant, acteurs, à part les usages numériques au moment de la ressource, mais c'est vrai que ce sont vraiment les deux acteurs, pour moi, qui sont essentiels pour que ça fonctionne. Je te laisse le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, ben, c'est tout simplement des questions. votre retour par rapport est important pour nous par rapport à ce que nous vous avons présenté. Hein, si vous avez des remarques sur le contenu du guide, sur les questionnaires que nous faisons parvenir en établissement carcéral, mais également nous nous interrogeons sur évaluer la satisfaction des acteurs, hein, que ce soit les enseignants, le RLE sur son implication dans la réussite de ce dispositif, ainsi que l'étudiant sur notamment les ressources qui lui ont été transmises et sa facilité à les utiliser, à les appréhender. Si vous avez des retours d'expérience, bien évidemment, nous sommes preneurs à l'Université Paul Valéry de vos retours d'expérience en la matière pour nous permettre d'avancer tous dans la même direction. Vous allez avoir tous les contacts sur le guide et puis sur le site de la FUED, donc on est preneur au niveau du groupe de travail, vous allez nos coordonnées. Mm-hmm. Sur le site, n'hésitez pas, ce sera meilleur des avancées pour nous. Je tiens à les remercier parce que franchement le travail est remarquable, hein. Vous avez le guide sous les yeux, l'implication aussi, puis la présentation superbe. Merci Laurence, merci Patricia, j'accélère un peu parce qu'on est...